Salut les amis. Bravo, putain, quelle synchronisation, ça c'est fait beau. Plaisir à voir. Ouais. On commence à être rodé. Ah, les amis, ce soir. Ça va être les choristes bientôt. Oh oui, ce serait bon ça. On a déjà fait une petite chanson, c'était pour Noël. C'est quoi c'est... Que mon chemin. Ah voilà. Non, mais on va arrêter là, je pense que c'est mieux comme ça. Ce soir, les amis, on se retrouve pour une vidéo sur les news de mai. Pour une fois, on est un peu en avance. Ah oui, avant d'avance par rapport aux sorties. C'est ça, et puis d'habitude on fait la vidéo une fois que les news sont sorties depuis deux semaines. Ouais, mais là on est des ouf. Là on est des ouf, et en plus on a gagné un peu de temps grâce au Kickstarter. Ouais. Félicitations. Merci. Les late plays sont disponibles. Les placements produits. Ouais, placements produits. Voilà. 83 000 euros sur la campagne du Kickstarter. Ça fait plaisir. Combien des centaines on de boîtes on a fait Barlow Bahamas, finalement on reste. On est, finalement on est allé à Angers. Ouais, c'était genre de Bahamas aussi. C'était des genres de Bahamas, on était pas mal. Où on a fait le premier open d'Angers à 36 joueurs. 36 joueurs, ça fait le plus gros. Ouais. Ça fait merci à... le plus gros open ou pas? La Bretagne, à sa belle époque, je crois qu'elle a tapé quasiment les 40 joueurs. Et qu'est-ce que je voulais dire? D'ailleurs, merci à la SSL. Vous merci avez cartonné. SSL. Franchement, organisation. Au top, ouais. Sandwich, au top. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre au top? La salle en banlieue, au top. Résultat, je l'ai défoncé. Ouais. Ça m'a fait plaisir. Il a gardé sa mission la cam pendant tout le week-end juste pour me la faire. Et il m'a tué de rire. Franchement, il a fait des fautes stratégiques. Enfin bref, j'en parlerai pas maintenant parce que... J'ai fini 10e sur 36. 10e sur 36, c'est pas mal. Non, c'est très honnête. 5 victoires, 2 défaites. Tu t'es bien battu. Je suis fier d'être une notée défaite. Ouais. Et Mo? Moi, j'ai fini genre 8e, comme ça. 7e ou 8e. Pas si loin. Ah mais ouais, je l'ai déglingué. Hein. Le premier roussel, c'était Néo. Néo, il a fini 5e. Et toi, on a failli te voir. Et moi, on a failli me voir. Non mais toi, je pense que tu aurais fini 1er ou 2e. Si j'avais pas l'aider, c'est pas qu'une question de chance. En tout cas, merci les amis de la SSL pour cette organisation, c'était top. Merci les amis pour le support au Kickstarter, c'est top. Le soutien de ouf. Ouais, vous connaissez presque tout le monde autour de la table. Vous connaissez JB, vous connaissez Shrek, vous connaissez Mo, vous connaissez moi, vous connaissez pas Guillaume. Peut-être que certains d'entre vous connaissent Guillaume. Guillaume qui nous vient de Pau. C'est marqué sur la boîte parce que Guillaume n'est pas venu les mains vides. Il nous a ramené des petites spécialités locales. Il y a quoi? Il y a des coucougnettes. Il y a des coucougnettes du pape. Des coucougnettes du pape. Il y a des tétons de nana. Ah, et il y a des galipettes. Ah, oui. Et je dois avouer que j'ai tout goûté. Tout est trop bon. Non mais c'est vrai que pour moi, il a défoncé sa boîte. Hein. Moi, non, j'étais pas tout seul. C'est lui qui a cassé sa boîte en plus. Donc, quel choix je l'ai placé. Moi n'empêche, pour j'y suis né. Eh ben s'il y a bien un truc dont je me rappelle, c'est que tout était très bon. Et que les gens étaient cons, mais... Tout était... Ouais, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, il est pas loin, c'est mon top. T'as pas besoin de te justifier. Donc, tu nous as ramené des super coucougnettes en chocolat. Tu nous as ramené un super jurançon qu'on est en train de déguster. Bah, déjà la moitié de tomber. Hein. Ouais. On va la défoncer. T'es abonné au Dingue de Jeu ou pas? Ouais. Ah bah oui. Ça va alors. Bah, c'est une des conditions. Ah, c'est forcément. Tu passes la première. Ça a été immédiat. C'est bien. On essaye de vous faire venir les uns après les autres parce que sinon ça commence à saturer derrière le bar. Et n'hésitez pas d'ailleurs, t'as un Twitch toi où tu fais des vidéos en direct live. C'est bon ça. C'est bon. Tous les matins, 10h à 12h en semaine, j'essaye de me caler, faire 2 heures de peinture. C'est voilà. T'as vu le mec? On essaye. Voilà, le but c'est de partager un axe. Quoi. Ah, mais ouais, c'est trop bien. Et tu mettras le lien du coup. Ouais, je mettrai le lien si j'arrive. C'est Papa Yann. Papa Janak. Ouais, ça va être trop compliqué là. D'accord. Et tu joues à Eden localement? Alors, je viens de me mettre à Eden en jeu. Là, localement. Et on essaye de créer justement une communauté dans la région paloise avec Damien. Et ça se monte bien. Et comme dirait Yoda, n'essaie pas, fais-le. On est bien parti pour. Exactement. Donc, si vous êtes dans la région de Pau, vous contactez Guillaume et vous vous pétez la gueule mutuellement. Joyeusement, apocalyptique. C'est ça. Voilà, on a plein de salles d'association pour le faire. Mangeant des coucougnettes. Ils sont vraiment dispo pour. Donc, vous allez manger vos coucougnettes. Eh oui. Pourquoi pas, hein. Ça, c'est dans la joie et la bonne humeur, ma foi. Voilà. Et par contre, cette fois-ci, les amis, au niveau des news, on va faire plusieurs vidéos. On va faire une vidéo pour chaque news, comme ça, on va vous faire du suspense. Juste pour revenir sur Pau, t'as fait un jeu de mots tout à l'heure ou pas quand t'as dit les joueurs à Pau vont se foutre sur la gueule apocalyptiquement?
Merci, merci. C'est un beau maître. Maître Capello. Maître Capello. C'est le maître. Elle est bien. D'ailleurs, et n'empêche, vous rigolez, Maître Capello, mais heureusement qu'il y a JB pour corriger le français. Ouais. Et heureusement qu'il y a JB pour traduire en anglais. Rien à voir avec Maître Capello, mais je tiens à le dire. Merci JB. Merci JB. Heureusement qu'il y a Sylvain. Ah ben non. Sylvain, il moule et démoule. Il moule, il démoule beaucoup. Il pourrit les chiottes de tout le monde. Et surtout, il envoie. Enfin, il fait tout, quoi. Ouais. C'est une machine. C'est une machine. Et il fait des très beaux cartons. Il fait des très beaux cartons. Ouais, j'ai un beau carton, je repars avec un beau carton. Ouais, ouais. Nous, on aime bien arroser les gens. Bon, les amis, on parle des news ou quoi? Ah, mais grave. Actualité chargée ce mois-ci. Il y a une des plus grosses pièces de jamais sorties. Bah, c'est la plus grosse. La plus grosse pièce. On a trois nouveautés en figurine. On a un nouveau esclave pour le matriarcat. On a un nouvel ange de Dante. Une nouvelle Néphilim avec des grosses pêches et une mission, des missions multijoueurs. Trois missions multijoueurs. Il y a trois missions multijoueurs et en accessoire, donc il y aura un nouveau starter Ascari, mais ça on passera pas parce que c'est des figurines qu'on connaît. Et il y aura aussi des socles de 50 mm texturés. Cool, super. Pour les branleurs. Bon, les amis, on va commencer par la grosse bête parce que tout le monde l'attend. On a vu sur Facebook le profil flouté. Ben c'était marrant parce que cette pièce j'ai commencé à la sculpter en fait parce que à force de faire des salons et tout ça, j'avais besoin aussi d'avoir une pièce un peu plus massive. Attends, on parle de l'homme titan. Ouais, l'homme titan, ouais, il est gros. Et du coup, en fait, quand j'ai commencé à le sculpter, pas longtemps après, j'ai fait le salon de Pau où t'as pu c'est voir ça. Avancer tranquillement dessus, quoi. C'est ça, il en était justement à l'étape de la tête à l'époque. Ouais, j'étais sur la tête et je me suis bien éclaté. La pièce, c'était un gros plaisir. L'idée, c'était vraiment d'avoir finalement une espèce de golem de chair asservi au matriarcat et avec cet aspect, il fallait qu'il ait des hubes. À chaque fois que je dis zube, j'appréhende le côté zob. Non, t'inquiète pas, ça. Il y a que toi qui apprends. Moi, je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Bon, bref, il y a trois zobs dans le dos. Non, il a deux zubes. Non, il en a deux, mais il a trois plots dans le dos. D'accord, trois plots dans le dos. Voilà, okay. Voilà. Et du coup, je me suis régalé à sculpter ça, quoi. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé quand tu l'as vu? Déjà, en voyant la pièce, elle était massive, quoi. Sérieusement, c'est en voyant arriver, c'est la taille réelle. Ouais. Ouais. Mais elles disent toutes ça, les mamans étaient. À chaque fois, les meufs, elles peuvent dire vraiment ça rentrera jamais. Ah, c'est trop loin dans l'Eden. Mais en fait, si, ça passe. Ouais. Parce que c'est pas la taille qui importe au niveau du profil, évidemment. Ouais. On scinde toujours. Souvent, les gens me disent ah ouais, mais elle va valoir vachement de points parce qu'elle est grosse. Non. Quand on développe Eden, souvent, Pierre, Jogger, le cerveau, quoi, pas toi. En gros, il va tenir compte de l'aspect général de la figurine, mais ça va pas forcément impacter son coût. Donc là, on est sur un esclave qui vaut 35 points. C'est un tiers d'une compo. Je le voyais déjà à 70. Quelqu'un a révisé le profil ou vous voulez que je m'y colle? Moi, colle-toi-y. Ouais, parce que j'ai joué un peu en revers et je le connais. Donc c'est l'homme titan, il vaut 35 points. Il est mutant, esclave et cyber. Ce qui permet pas mal de choses à l'intérieur du matriarcat, mais également d'autres factions, cyber. Ben oui. Hein, on verra après s'il y a des petits malins qui vont essayer d'optimiser tout ça, mais il y a peut-être des trucs très cool à faire. Alors, tu disais qu'il n'était pas très costaud, mais il est quand même bien costaud. Hein. Ce qui le caractérise, c'est le nombre de PC qu'il a dans chaque membre quand même. C'est pas une foudre de guerre au niveau de l'intelligence avec un psy de 3 et un quand il est blessé. Par contre, il commence avec 6 en combat et un certain nombre de PC, 5 en vigueur. Ouais, donc ça c'est toujours bon, le 5 de vigueur. 5 de vigueur, c'est une bonne 5 de vigueur. Ouais, 5 de vigueur, c'est un tank. On a peu quand même de figurines à 5 de vigueur dans le matriarcat, notamment dans l'ordre vert. Il y avait la sœur Myriam, mais ça nous fait un deuxième tank qui tatane. Et il a 4 en rap, ce qui n'est pas négligeable, et il passe à 5 quand il est blessé.
Au niveau de son équipement, 2 UB. Alors, c'est la première figue du matriarcat vert avec 2 UB. Les autres en ont un. Donc, ça apporte aussi un complément. Hein. J'espère que je ne raconte pas de bêtises. Mais vous les voyez ici. Ouais, c'est les autres. Les autres ont un UB, donc l'homme titan va avoir 2 UB, ce qui va être pratique, puisque vous verrez qu'au niveau des capacités spéciales, il peut consommer des UB. Il a un masque de soumission qui lui donne une protection à la tête de plus 1, et des bras cybernétiques avec une protection plus 1 aussi au niveau des bras. Ce qui veut dire que dans les logs de 1, 2, 3, il a une protect de 1. Ce qui est toujours intéressant parce que la faiblesse souvent sur ces bonhommes-là, c'est la tête. On va tout localiser dans la tête. Donc voilà pour ces caractéristiques. On va regarder maintenant les capacités spéciales. Alors il est intéressant. L'homme titan ne peut pas être désigné comme chef. Ouais, comme ça, c'est comme quasiment tous les espaces. Il y en a un qui peut l'être. Ouais. Ah ouais. Mais tu ne choisis pas. Non, tu ne mets pas comme chef. Alors, une des différences de l'homme titan par rapport à l'homme machine de l'ordre vert, c'est qu'il n'est pas 100% dédié à un ordre. C'est-à-dire que l'homme machine ne pouvait être pris qu'avec l'ordre vert. C'est pas le cas de l'homme titan. Vous pouvez le sortir avec n'importe quel compo du matriarcat, puisqu'il n'est pas forcément lié à Sœur Esther, ce qui est intéressant. Ensuite, il a une deuxième capacité qui s'appelle... Ouais, la première, ce n'est pas vraiment une capacité, c'est plutôt une restriction. La deuxième capacité, c'est l'afflux énergétique. Pour un UB, cocher un PC dans les bras de l'homme titan. Si vous faites ainsi, l'homme titan gagne la capacité suivante jusqu'à la fin du tour. Coup double. Après avoir effectué une action d'attaque de corps à corps, l'homme titan bénéficie d'un bonus de plus 3 en combat pour sa prochaine attaque de corps à corps lors du même tour. Et contre la même cible. On l'a vu sur Vassiliev, mais ouais. C'est pas le même niveau. Quoi. Là, c'est pas le même niveau. Vassiliev passe de 3 à 6. Lui, il démarre à 6. Lui, démarre à 6 et il passe à 9 avec le coup de chaud. Donc, pour ça, il se coche un PC dans les bras, mais je dirais que le jeu en vaut la chandelle. Ouais. Ah bah ouais. Pour une grosse tatane. Et puis, ça synergise bien avec les capas de Sœur Esther. Exactement. Le fait qu'il puisse déplacer des combattants, les rapprocher d'un esclave, ouais. C'est sympa, c'est des petits bonus qu'on va avoir. Ben oui, parce que ça va être rigolo. Attirer un ennemi sur l'homme titan, c'est toujours un gage de réussite dans la vie. En général. Pour le matriarcat, pas pour l'adversaire. Ensuite, il est passe-muraille. Un PA une fois par tour. Retirer du terrain un décor ayant une largeur inférieure à 5 cm. Et qui est au contact de l'homme titan, les décors utilisés dans les missions ne peuvent pas être retirés de cette manière. Alors, bon, on peut se dire, ok, pourquoi pas, mais ce qui est intéressant, c'est la capacité qu'il y a après, puisque en capacité permanente, il a à chaque fois qu'un décor est retiré du terrain, tous les combattants alliés de type sœur situés à 15 cm de ce décor, juste avant son retrait, récupèrent un UB. Ouais, donc ah ouais. Finalement ça permet de ça c'est payant le cycle, quoi. Alors tu payes un PA une fois par tour pour détruire l'élément de décor, ouais. Mais ensuite l'action qui est liée à cette compétence là elle est gratuite et permanente, ouais. Pour un PA finalement tu balances un UB, ouais. À toutes les sœurs. À toutes les sœurs. Il fait quoi à 10 cm de le à 10 bouffe. Ouais, et c'est ça. Il transforme ça en énergie, il transmet, ouais. Qu'elle soit dans le coin, ouais. C'est ça. Et ça c'est pas mal parce qu'il y avait une capacité, c'est fou la technologie. Il y avait une carte tactique qui faisait ça, c'était la rage du cavalier vert ou je sais pas quoi là. Mais ça donnait un hub, je crois, non ? Ça redonnait un hub, ça donnait un bonus en rap aussi aux sœurs, mais c'était annulable pour 4 PS. Là, il n'y a rien qui puisse annuler ça. Non. Sauf si après, il y a décor, quand même la taille, ouais. Du décor. Ouais. 5 cm de large, ouais. Ça va... C'est maximum. Hein. C'est max 5 cm de large. Ouais. Ouais. Donc, je pense que... En plus, on va avoir des beaux débats autour des tables sur trois fois, je pense. Sur les gens, quand le décor sera triangulaire, je pense qu'on aura des débats. Un muret, par exemple. Le muret, 10 cm de long, ouais. Mais de large, il fait 2 cm. Ça, c'est évident et ça va marcher. Mm. Je pense que quand on aura des mecs qui auront découpé leur décor en triangle ou dans des choses comme ça, on va. Bah, tu vas mesurer. Oui. Toi, t'es un mec tordu, toi. Ouais, t'es une vicieuse. Parce que t'as comme quelle petite vicieuse. Ensuite, dernière capa permanente, horreur, ça s'appelle. Ben forcément, vu la gueule qu'il a. Lorsque l'homme titan effectue une action d'engagement, il peut dépenser un UB, encore un UB. Dans ce cas, tous les combattants adverses à son contact, suite à cet engagement, doivent alors effectuer un jet de psy
d'une difficulté de 3. Les combattants n'obtenant pas au moins 2 réussites reçoivent un pion de peur. Moi, je vais galérer, genre avec mes familiers. C'est ça, ou avec tes jokers aussi, ça va être la galère. Ah putain. Parce que le non, seuil... les jokers, ça va, c'est les familiers chez les jokers. Mmh. Le seuil de difficulté n'est pas énorme, c'est 3, mais il faut 2 réussites. Il faut 2 réussites. Antoine, la semaine dernière, on a bien vu, hein, les jokers n'ont pas réussi avec l'Algoul. Hein. Et Lenny a pris son pion de peur. Et... Ah ouais, c'est vrai, ça a changé la donne. Et puis, ça change, ça peut. Changer la donne. Donc voilà pour l'homme titan qui est une belle addition à l'ordre vert et qui est un nouvel ordre qui manquait de profil. Je crois qu'il y a des petites surprises à venir encore Dans les mois qui viennent. Bien sûr, vu que c'est une nouvelle faction, on va se régaler. Les sculptures vont être bien sexy, donc je pense que ça va bien plaire. Sur celle-là, je me suis vraiment éclaté sur la sculpture, surtout en fait sur le fait que bah, pour rappeler l'échelle, du coup j'ai placé quelques petits corps en décomposition un peu partout sur la figurine. Ouais. Et ouais, je me suis bien éclaté quand même. Alors, pour aller avec l'homme titan, on vous a préparé une petite composition en 100 points qu'on aura le plaisir d'illustrer au travers d'une bataille fantastique un peu plus tard. On vous a préparé une compo en 100 points avec en chef Sœur Esther. On est parti quand même sur une faction, sur une compo basée sur l'ordre vert parce que même s'il peut être pris par n'importe quel ordre dans le matriarcat, on voit que ses capacités vont quand même... dans la direction, ouais, vont booster l'ordre vert. Donc, Sœur Esther, qui est une très bonne chef, qui permet effectivement de gérer les cartes tactiques de l'adversaire, de booster les membres de l'ordre vert, mais également d'attirer les adversaires dans un traquenard entre les bras amoureux de l'homme titan. Donc, Sœur Esther qui sera notre chef pour 25 points. Ensuite, donc, l'homme titan pour 35 points. Il y a un autre élément de l'ordre vert qui me paraît indispensable, c'est Sœur Myriam avec 25 points, qui a aussi son 5 en vigueur et qui fait un bon temps. Donc ça peut faire une bonne première ligne pour l'ordre vert entre l'homme titan et la Sœur Myriam. Et puis Myriam, elle a l'écrasement. L'écrasement qui est toujours le bienvenu. Voilà. Et elle permet de gérer les pions état aussi. C'est ça. Et autant quand ton écrasement il te coûte un PA, je pense par exemple au Daimyo. C'est sympa, mais ça a des limites quand ça te coûte un hub et que tu as un déplacement gratos. Et qu'en plus, tu peux récupérer. Moi, je testerai quand même aussi avec en mixant un peu d'ordre noir, ordre vert. Ouais, peut-être. Là, c'est chouette. Mmh. Hein. Mais ce qui est bien aussi avec la Sœur Myriam, c'est qu'elle permet de transformer les pions état. Mmh. Ça, c'est bien. Donc, quand tu prends un pion de peur ou une merde comme ça sur ton homme titan et que Sœur Myriam est à portée, je crois que c'est dans les 15 cm, c'est ça. Elle permet de transformer ce pion peur ou poison en un pion rage qui va endormir notre plus sexy, ami encore plus énervé. Alors vous le voyez dans cette compo, on s'est séparé de Sœur Talia, qui est intéressante, mais si on doit faire des choix, pour moi, après vous pourrez nous mettre ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour moi, s'il y avait une des trois sœurs qui devait sauter dans cette compo, c'était plus Talia que les deux autres, qui me paraissent plus incontournable. Il nous reste donc 15 points qu'on a complétés avec des esclaves, ce qui permet d'avoir une compo quand même en 5 figurines. On a l'homme chien pour 10 points, qui est un peu l'équivalent pour moi d'Anton. C'est-à-dire qu'il sert, il n'a pas grand-chose en termes de capacité, mais il a quand même un combat de 5. Donc voilà, il a à peu près les mêmes stats, non? Ouais, il a les mêmes stats, il est même moins un peu plus lent. Ouais, c'est un peu plus lent. Parce qu'Anton, il a 2 de rapidité, là, l'homme chien. Est-ce qu'il est plus intelligent? Non, il a un psy. Ah ouais. Il a un psy. Je pense qu'il partage un peu la même intelligence. À mon avis, c'est Anton. C'est Anton, après. Non, on va pas avec la PR. C'est ça, avec l'homme titan. Ça lui a plu, en fait. Il a bien aimé le concept. Ça, l'homme chien, c'est plutôt une deuxième ligne, c'est-à-dire que vous avancez avec vos poutres et comme vous êtes en surnombre, l'homme chien intervient après et finit les adversaires avec ouais, évitez devant, quoi, parce ouais. que un tir, c'est mort. Hein. Ouais, c'est fini. C'est 3 de rapidité, 3 de vigueur, théoriquement, ça peut partir vite. Ouais. Et en même temps, tu le laisses derrière et puis en première activation, il est en dernière ligne, tu fais une marche en engagement, l'adversaire, il est toujours emmerdé. C'est un 5 de combat. Tu le tues pas parce que si tu ripostes, tu vas pas le tuer parce qu'il a juste ce qu'il faut de PC pour pas que tu le tues. Enfin, tu vas seulement l'abîmer, mais tu vas pas le tuer. Mais dans tous les cas, tu auras dépensé un PA. Il l'homme chien. Soit en riposte, soit en attaque. Et puis derrière, il y a la. T'as l'homme titan qui arrive et qui éclate la résistance. Le dernier membre de cette compo pour 5 points, c'est le plus ultime. L'homme martyr. Faut dire, en fait, c'est pas mal d'avoir l'homme martyr et à côté l'homme titan. Déjà, comme ça, le mec. Tu vois, ça permet de donner à l'homme titan encore plus de poids. Quoi. Ouais. Il le bouffe quand il a faim. Ouais, c'est ça.
Non, mais après, c'est ça, c'est, on n'est pas tous égaux devant la nature. Et, la nature, ouais. Ah, la nature, là, elle est super dure. Bon, et l'homme martyr, on l'a rajouté parce qu'il est pas mal aussi. Ça permet de rajouter du nombre, mais surtout des avantages stratégiques, puisqu'il permet d'annuler les cartes tactiques de l'adversaire, etc., en se cochant des points. Mais en fait, t'es pas dans cette compo, t'as pas beaucoup de points stratégie. Donc, si tu peux annuler en lui cochant dans sa gueule des trucs, c'est préférable, c'est en fait. Ouais, vous avez aussi la possibilité de prendre un esclave à 15 points, mais du coup, vous aurez une compo à 4 filles. À 4. 12. Ouais. Donc voilà pour notre ami Homme Titan. Quelle bienvenue pour Lord Rover. Encore une fois, la première extension d'une longue série, on espère, parce que moi, c'est une de mes factions préférées. Ah ben moi, Lord Rover, j'aime bien. Il y a des meufs... Ouais. Un poil, des hommes esclaves. C'est ça, on va le retrouver. Comme le matriarcat, quoi. Mais c'est ça, en fait. C'est ça. Mais en plus, là, il y a des meufs quasiment à poil et de la technologie. Donc, forcément, c'est mieux. De toute façon, la technologie. Pas sur les meufs à poil. Hein. Ah, bah si, quand même. T'as vu la gueule de leurs jambes. Ouais, d'accord. Mais Graciane, ça compte pas. Hein. Je suis désolé. Non, c'est pas Graciane, c'est Myriam. Tu vois, Graciane, elle t'a marqué, tu vois. C'est la graisse qui t'a marqué. Ouais. La grâce. Bon bah voilà les amis, on va faire une partie un peu plus tard dans pour tester ce nouveau profil et on en attend beaucoup. Moi j'adore. Ok. Ah oh, c'est trop bien. On peut jouer Sœur Myriam, Sœur Graciane et l'Homme Titan. On enrage l'Homme Titan avec Sœur Graciane, on joue une adrénaline, on lui remet un deuxième marquerage avec Myriam. Oh, putain, ça y est, ça commence à commencer dans ton cerveau vicieux. Ça fait 11 dés en deuxième frappe. Et puis après en deuxième frappe, il arrache la tête. Waouh. Ça y est, ça commence à comboter les amis, on le verra plus tard dans une de nos parties. On se retrouve un peu plus tard pour la prochaine nouveauté. À bientôt les amis.